tu les prends. Voilà. J'ai trop mal à la tête. Salut tout le monde, j'ai trop mal à la tête. Bref, je dois vous parler de plein de choses qui se sont passées pendant mon absence. Bien évidemment, je ne suis pas venue pour faire des histoires. Mais j'ai des petits... En fait, je suis venue faire un petit coup de gueule là, parce que je suis énervée. Bref, je vais rester dans la sobriété. Je vais pas trop les insulter, mais légèrement. Déjà, moi c'est Bulma, vous savez déjà. Je me représente pour les nouveaux arrivants. Je voulais dire quoi? Déjà, faut jamais oublier que je suis indétrônable. Ça veut dire que personne ne peut prendre ma place. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de nouvelle Bulma. Genre, vous pourrez faire tout comme moi. Vous pourrez prendre les mêmes expressions que moi. Vous pourrez frapper les mêmes personnes que moi. Vous ne serez jamais moi. Jamais. Ça veut dire que chacun est né de la chatte de quelqu'un. Chacun est né tout seul. Donc, vous aurez beau faire tout comme moi. Genre, tout. Même... coucher avec les mêmes garçons que moi, s'habiller comme moi, se coiffer comme moi, vous serez jamais moi. Genre jamais, 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 jamais. Déjà, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment expliquer. Parce qu'il y a des filles sur Terre qui pensent que elles me sont égales. Non, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas égales, on n'est pas pareil. Vous êtes vous, je suis moi. Donc voilà. Pour commencer, c'était vraiment quelque chose que je voulais rétablir parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Deuxièmement, vous avez bien remarqué que je suis plus dans les histoires. Je me bats plus. Je calcule personne à part mes sœurs. Je calcule personne. Je suis dans mon coin. Genre, personne ne m'intéresse en ce moment. Genre, il y a vraiment. Genre, il y a. Peu de personnes qui m'intéressent, mais vraiment très peu. Ça veut dire que les insultes que vous faites, les directs que vous faites sur moi, ne m'intéressent très peu, voire pas du tout. Genre pas du tout. Je ne citerai pas de nom parce que je n'ai pas envie de vous donner de la force. Mais voilà, vous pouvez pas vous permettre de bomber avec moi alors que j'ai des photos de votre chat dans mon téléphone. Vous pouvez pas permettre de bomber avec moi alors que quand je vois en vrai, vous vous excusez. Vous ne pouvez pas... En fait, vous ne pouvez pas vous permettre de bomber avec moi quand vous êtes rien. Quand tu sais, et nous savons tous que je suis ta source d'inspiration, que tu snaps par rapport à ce que tu as vu dans mes snaps, que tu t'habilles par rapport à ce que tu vois dans mes snaps, que tu écoutes des chansons par rapport à ce que tu as vu dans mon snap, que tu t'inspires de moi, tu ne peux pas t'asseoir devant une caméra et me critiquer. Surtout, surtout, mais vraiment surtout, quand je fais un direct en disant que je ne vais plus m'embrouiller. Pendant des décennies, je tapais tout Paris, je faisais des directs où je criais. Tu n'as jamais, 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 jamais fait ça. Mais quand tu vois que je prends ma retraite, je ne sais pas si c'est des ailes ou bien des portes qui t'ont poussé dans le dos. Putain, tu t'es permise de faire ça avec ton groupe de moutons. Sache que tu ne m'intéresses plus. Genre, voire pas du tout. Si je me battrais encore, je sais que je t'en aurais mis une seule, pas deux. Parce que ça, encore une fois, c'est moi qui le dis. Mais comme je suis une source d'inspiration, c'est sorti de vos braves, c'est très bien. Maintenant, je vais... Troisièmement, je vous calcule pas, en fait. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que encore, je serai encore sur les réseaux grave activés et tout. En mode, je ferai encore des directs ou en mode, je ferai encore des trucs. Je comprends qu'on s'insulte. Mais ma chérie, je suis dans mon coin, personne te connaît. Personne ne veut te donner de la force, t'es qu'une pute. Tu restes dans ton coin et tu fais la pute sans me saouler. Ou sinon, si vraiment ça te démange de buzzer, je sais pas, tu chies dans tes mains, tu étales sur tes cheveux, tu fais une vidéo, tu vas buzzer ma belle. Mais non, en fait, je sais pas, quand je suis dans mon coin, Linker s'il est pas là, quand je suis dans mon coin,
Ça, non, quand je suis sur les réseaux, je fais du boucan, ça vous gêne. Quand je suis dans mon coin, vous venez me chercher. Pourquoi? Toi, tu es qui? Pour me faire sortir de mes gonds, pour que je refasse un direct, pour que je me raffiche. Alors, j'ai clairement décidé d'arrêter de faire ça. Je comprends que tu n'as pas de vie. Je comprends que voilà, tu habites dans une ville. Déjà, même ta ville, elle est claquée. Genre, ta ville, voilà. Je comprends que tu habites dans un endroit peu intéressant. Toi-même, tu es peu intéressante. Tu as montré tes seins, ton cul, tes pieds partout. Ça n'a jamais marché. Hop! Bibi dans la bouche. 10K, tu demandes des partenariats? Non. Non, non, ma chérie, il y a des filles, elles ont 130K, elles ne font pas de partenariat. C'est pas toi, avec tes 10K, qui va venir nous saouler à demander des partenariats. Tu vas faire une pub, tu vas rapporter quoi? 3 vues, 3 clients? Non, non, on ne veut pas. Genre, en fait, je comprends que, voilà, tu as envie d'aller recevoir des perruques gratuitement parce que tu n'as peut-être pas les moyens de t'en acheter sans donner tes fesses, ou bien, voilà. Mais je sais pas. Coach, tu as mis Burry dans la sauce alors qu'il t'a mis ses 5 doigts dans la chatte. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Tu as mis, bien, mis à part le fait que je ne parle pas avec les garçons, j'ai vu qu'il m'avait descendu. Merci. Mais voilà, le fait de faire un direct et prendre nos expressions, prendre notre concept à vouloir faire un direct, ça prouve vraiment que tu n'es rien et que tu ne seras jamais rien. Je sais pas, encore tu aurais fait quelque chose qui ne serait pas vu. Ça aurait pu être bien. Mais tu fais quelque chose avec les... Non, non. Genre, imiter mais jamais égaler. Tu pues la merde. Voilà. Ça, c'était vraiment quelque chose. Je voulais dire, bien évidemment, tu vas me répondre, je ne te calculerai pas. Parce que tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Quand on se balade dans Paris avec une valise et on cherche des plans dans tout Paname, on se tait. Quand on n'est pas foutu d'organiser un anniversaire sans qu'au final tout le monde se retrouve dehors dans le froid, on se tait. Quand on n'est pas foutu d'avoir de l'argent sans donner sa chatte, on se Oui. tait. Voilà. Tout ce qui se passe sur Snap, je vois. Arrêtez de me transférer les stories des personnes avec qui je ne m'entends plus. Je m'en fiche. Ça veut dire que je suis dans un mood où même si vous insultez ma mère, je m'en fiche. Parce que j'ai plus le temps de vous calculer. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. En fait, là, je lis des commentaires, j'ai envie de vous insulter. Genre certains, pas tous. Mais le problème, si je vous insulte, c'est comme si je revenais dans mon ancien contenu où j'insultais les gens. Du coup, je n'ai point envie. Vraiment, pas du tout envie. Pas du tout. Sinon, pour changer, ça fait un an que ça fait un an que l'histoire de Jacola elle est passée. Donc, je pense qu'il va falloir changer de disque. Voilà, va falloir vraiment changer de disque. Ça veut dire que quand vous faites des vidéos, faut arrêter d'assimiler ces deux prénoms parce que ils ne sont plus compatibles. Et ça fait un an. Ça veut dire que voilà. Il faut arrêter. J'ai des nouveaux mecs, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie entre-temps. Donc voilà. Voilà, pour le coup. Sinon, ah oui, le fait que vous insultez ma fille, sachez que ça me fait genre zéro effet. Ça veut dire quoi? Une pute insulte ma fille, zéro effet. Je vous explique. Genre, elle vous calcule même pas, à l'heure d'aujourd'hui, elle a un domicile fixe, alors que toi qui es plus grande qu'elle, tu n'as rien. Je crois que ma fille, elle est plus riche que toi à l'heure d'aujourd'hui, alors que t'es grande. Donc quand vous insultez ma fille, ou quand vous insultez ma mère, ou quand vous insultez ma chatte, je m'en fiche. Je m'en fiche. En fait, je peux pas m'embrouiller avec quelqu'un que quand je l'ai vu en vrai, s'est excusé, il m'a dit non, je rigole. T'es parti insulter Dez, comme t'as vu que Dez, c'est quelqu'un qui ouvre sa bouche et après il parle. T'as vu que tu croyais que là, Dez, il allait fusionner avec toi. Vous allez vous insulter, nanana, nanana, non. Genre, même Dez, il s'en fout. Donc, en fait, pour que Dez... Ils s'en foutent de toi, c'est vraiment que t'es claqué. Parce que même avec je sais pas comment c'est, Mathéo, le petit là, Dez il a fusionné avec lui. Mais vous, tellement vous êtes nul, il a dit, il vous calcule pas. Genre, c'est un délire. Alors que Dieu sait comment Dez, il aime mettre les gens dans la sauce. Mais vous, il vous a pas calculé. Genre, il a dit, ne me calculez pas, je suis dans mon coin. Ça veut dire que personne ne veut vous donner de la force. Tout le monde sait que vous êtes là pour le buzz. Et voilà. Et en fait, j'ai vraiment pas de.
con, 1, 2, 3, 4, j'ai vraiment pas de complexe d'infériorité. Ça veut dire que quand vous êtes mis devant votre caméra toute pimpante, ça m'a fait. Ça m'a, genre, ça m'a fait zéro effet. Genre, vous avez cru que vous avez d'être ça. Genre, vous êtes maquillée, vous avez dit, ouais, Bulma, elle est moche, vous avez cru que j'allais me déprimer. Alors d'aujourd'hui, je mets tous vos gars sont dans mes DM et tous les gars que vous rêverez d'avoir sont dans mes DM. Et d'ailleurs, la grosse rebeu derrière au fond, oublie pas que t'étais une fan, tu m'as demandé des photos à Châtelet, j'ai encore les vidéos. Donc voilà. Faut arrêter de se rebeller 2 minutes 50, commencez à vous épiler bien comme il faut. Comme vous commencez à avoir un petit peu de poils, vous pensez que vous êtes mature, pas du tout. La vie est encore très longue pour vous, venez d'arriver, hein. Je vous le dis en fait. Donc voilà, donc si vous pensez que vous avez d'être ça en mettant dans la sauce, vous avez rien fait. Genre rien du tout, je m'en fous de votre vie. Vous m'avez dit ouais, je vais faire un direct en disant que je vais vouloir goûmer avec vous. Pas du tout. Genre non. Je goûme pas avec vous, genre je goûme avec personne, je m'en fous de votre vie. Je sais que là je vous donne beaucoup d'importance, mais en fait au bout d'un moment, il faut remettre les pendules à l'heure parce que je pense que vous êtes un peu déréglé. Je pense que vous êtes un peu. Oui, genre beaucoup déréglé. Je suis pas du tout prétentieuse, je me vante pas, mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Je peux pas m'embrouiller avec vous. Je veux vraiment pas. C'est pas que j'ai pas envie. C'est en fait le pire, c'est que j'ai trop envie de vous ficher, de vous insulter. Mais me mettre à votre niveau, ma mère, elle va m'embrouiller. Genre quand je vais montrer la vidéo de 3, 10, je sais pas, vous étiez combien dans la vidéo, 5 ou 6 greluches. Ma mère, elle va me dire, t'es sérieuse, Nissi? Elle va même pas me dire Bulma, elle va me dire, Nissi, t'es sérieuse, je t'embrouille avec eux. Genre, la meuf, elle est assise devant. Elle s'est maquillée pour faire un direct pour m'insulter. Ça n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché. Dez, t'es là, viens fusion. On va parler un peu. Dez, envoie une demande de fusion, on va parler un peu. Non, je ne parle pas de Bonita. Genre, au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà, c'est pas pour me vanter, mais vous êtes claqués, quoi. Genre, on s'embrouille qu'avec les gens qui sont susceptibles d'être à la hauteur. Genre, non. Je préfère que. Genre, wesh, non. C'est pas possible de. En fait, vous m'aimez pas, mais vous parlez de moi. En plus, quand vous parlez de moi, ça me donne de la pub. Mais moi, quand je vous donne. Putain, mon téléphone il bug, attendez. Enfin, il bug pas, j'arrive juste pas à appuyer sur le truc. Quand j'arrive pas à appuyer sur les demandes. Ah, afficher. Qui a demandé de fusionner? Moi, je vais fusionner. Je mets de Coucou. Allô? Ça va, Dez? Allô? Allô, Ça tu m'entends? va? Ça va et Ça toi? va? Ça va. C'est un chrétien, ça va, ça va. Et Franchement, Dez. dis-moi d'aller. Attends, je vais aller droit au but. Tu vois ces gens de ces babouins-là, ces babouins de trucs-là. Moi, je ne connais même pas leurs noms. Je ne sais pas Dis où elles pas leur sortent. prénom, dis pas leur prénom. Voilà, dis pas leur prénom. Même si je connais pas même, et puis je vais dire. Tu vois, aujourd'hui, là, je l'ai dit. Nous, là, on est créateurs de buzz. Mais aujourd'hui, là, je sais avec qui je m'embrouille, je sais avec qui j'ai m'embrouillé. J'ai parlé à des gens pendant un an, ils ont compris, ils se sont calmés. Ce n'est pas des gens qui ne savent même pas laver leurs dessous, des gens qui savent même. Ça fait un an, tu as même tissage jaune, André, c'est caneton. L'autre, elle a fait peinture, je ne sais pas si c'est peinture, si c'est quoi, elle a mis sur son visage. Ma chérie, Bah, elle a franchement. renversé sur ton visage ou bien. Non, mais tu Nous, sais, Dez, moi, ce là, qui me fait rire, Dez. on va pas parler de vous. Faut ce que vous voulez là. Nous, on va pas vous donner. Walei. En fait, Dez, tu sais ce qui me fait rire, c'est quoi? Moi, je travaille. Je n'ai plus temps. Celle-là, elle s'est calmée. On attend. Elle s'est calmée depuis longtemps. Angela, il se montre plus. C'était ça, moi, mon objectif. Des gens qui ont compris. Vous sortez d'où? Allez-y, Grave. vous asseoir à boire des boulognes ou à boire des vaisselles. C'est là-bas, on peut vous trouver. On n'a rien à faire avec vous. Laissez-nous, on va avancer. Elles viennent. Il y a une grosse derrière, André Nounous. Je ne sais même pas d'où est-ce. Frère, toi, tu es pompé. Tu viens par. Frère, quand ton dossier est sale, là, faut te calmer. Parce que nous, là, moi, Dez, là, je ne connais même pas votre nom. Je ne cherche même pas votre nom. Il y a des frères avec qui j'ai fait le combat. Aujourd'hui, là, ces frères-là, ils se sont rangés un peu. Que ça soit Bulma. Si j'ai attaqué Bulma, c'est parce qu'elle est ivoirienne. Si j'ai attaqué Ange, c'est parce qu'il est ivoirien. Vous m'avez vu un jour aller m'attaquer un Libanais ou bien un Français ou bien un Asiatique. Je ne sais même pas où vous êtes quitté. Ici, là, on Franchement, m'envoie vidéo. et ce J'ai plus Snap. J'ai que mon Instagram. Je parle, je viens sur les réseaux pour parler. Je travaille.
J'ai pas le temps pour vous. Si vous ne... Faut parler, puis terminer, pardon. Faut parler, puis... Franchement. Non, tu sais, moi, ce qui me fait rire, tu sais, c'est... Tu vois, ces connes, là, dans tous ces connes, il y en a deux que je connais. La grosse, là, on dirait Nounours, là. Je t'ai dit, elle m'a vu à Châtelet. Elle criait, oh, Bulma, oh, Bulma, nanana. Elle criait jusqu'à ce que j'ai filmé. Elle criait, quand, j'ai laissé. Maintenant, c'est avec sa perruque jaune, là, on dirait pipi de chien, là. Tu vois, elle. Elle, quand je te dis, quand j'écoute une fille, elle va écouter la fille. Quand j'écoute un garçon, elle va écouter le garçon. Quand je vais parler avec un garçon, et je vais faire maquillage, je vais faire mon maquillage. Je vais mettre dans ma story une phrase. Elle va la déformer, mais elle va aller mettre la même phrase. Quand tu es fan, tu vois, après, quand tu sais, les fans qui se rebellent. Tu peux pas. Un jour, Dez, on était dans un groupe, elle faisait que de m'insulter. Moi, t'as vu, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de répartie, je te tape ouais. direct. C'est très bien comment j'étais avant. Ouais. Je fais qu'un jour, j'étais à Châtelet. Comme elles ont dit, je suis la reine de Châtelet. C'est ça qui leur fait mal. Mais allez vous asseoir, on dirait que c'est pas un endroit public. Elles peuvent pas. Vous pouvez pas. Regarde, il y a la créature et le créateur. Merci pour leur dire. Et puis, la.